On n'est pas bien là, dans On ce est nouveau petit décor. très très bien. J'espère que le décor vous plaît. On y a mis plein de rêves qu'on aime bien, toute notre âme. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui, PL? Pour parler du plus gros projet de la chaîne. Ouais, c'est un projet qu'on a développé dans l'ombre pendant l'entièreté de l'année 2023. En 2023, petit récap pour ceux qui nous ont peut-être pas suivis ou qui ont oublié, on a casté les Worlds à Las Vegas. Jamel Debbouze, champion du monde, sur place, qui vient fêter sa victoire avec nous en live, et c'était incroyable. On a lancé deux chaînes YouTube supplémentaires, enfin une chaîne et demie. Il y en a une qu'on a lancée, Lorcana, parce que c'est un jeu qu'on aime énormément. Et une autre qu'on a, comment dire, qu'on a rebrandé, Upgradé. upgradé, on a amélioré le contenu, on fait plus de contenu, c'est la chaîne ValetPLTV. Ces deux chaînes que vous retrouvez en description, évidemment, allez vous abonner. Et c'était vraiment un plaisir de vous proposer encore plus de contenu diversifié, que ce soit sur différents TCG ou simplement sur Magic, le jeu qu'on adore. Mais surtout, en 2023, qu'est-ce qui s'est passé? On a quitté notre taf alimentaire. Ça faisait des années qu'on taffait à côté de la création de contenu, et grâce à vous, grâce à votre soutien, on a enfin pu partir de ce taf et se consacrer à la création de contenu, mais pas que. 2023, c'est une année charnière pour nous, notamment de par la diversification de notre contenu que tu as rappelé, mais aussi parce que dans l'ombre, on a mis en place un projet qui nous tient énormément à cœur. On est aujourd'hui présent pour vous en parler. Ce projet, c'est La Belle Carte. La Belle Carte, c'est la société qu'on a créée avec PL, et le but de cette société, c'est de pouvoir diversifier nos activités et faire valoir notre envie de professionnalisation en proposant des choses qui peuvent s'extraire aussi de la création de contenu. Mais le deuxième objectif, c'est de pouvoir proposer dans la création de contenu en elle-même des choses plus professionnelles, plus qualitatives, voire des choses qu'on n'aurait malheureusement pas pu faire avant d'avoir créé la Belle Carte. La première étape de ce projet, ce sera des live vocs qui vont commencer très bientôt. Vous en retrouverez 4 fois par semaine et chacun aura un thème particulier. Voct, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? C'est tout simplement une application gratuite d'utilisation que vous pouvez télécharger en description, qui est en fait de la vente aux enchères en live. On a déjà fait beaucoup de shows avec eux. À l'époque, c'était notamment pour la Croix-Rouge et ça s'est très bien passé. À chaque fois, c'était des bons moments, on rigolait bien, on a adoré l'expérience et ça s'est bien passé avec l'équipe Voct au global d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui nous demandaient quand est-ce qu'on allait relive sur Voct, etc., si c'était en projet. Et oui, évidemment, c'était en projet, mais on ne pouvait pas encore vous en dire plus. Donc pour tous ceux qui sont curieux, vous pouvez télécharger l'application, voir, créer un compte, c'est totalement gratuit et nous follow avec notre compte vendeur en description. Et le premier live, ça sera le 9 février à 18h. Pour vous expliquer brièvement les thèmes, on aura le Mythic Bingo. On va mettre à prix quelques cartes, notamment des mythiques du set, et quand quelqu'un aura la chance de les ouvrir, il aura un petit cadeau en plus. Deuxième thème, ce sera le Rossez-vous. Petite référence évidemment à notre ancienne émission sur Twitch. Là, deux personnes vont du coup acheter des boosters en box break, et celui qui aura la meilleure ouverture des deux aura également un petit cadeau. Et le troisième thème, ce sera le cochon d'or. On va faire grossir une tirelire virtuelle, un cochon d'or, qui, lorsqu'elle explosera, donnera des cadeaux à celui qui l'aura fait exploser en ouvrant des boosters de dingue pendant ce fameux box break, mais aussi on récompensera celui qui aura participé le mieux au cochon d'or. On a la chance, grâce à notre partenaire Play-In, de pouvoir vous proposer les prix les plus concurrentiels possibles pour que vous puissiez passer une bonne soirée, tout en étant quand même capable de vous offrir des cadeaux à chaque live. Pour faire tout ça, parce que la gestion d'une société, c'est évidemment beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, on a un troisième associé qui s'appelle Baptiste. Nous, l'idée avec PL, c'est de s'associer avec des gens qu'on aime, qu'on apprécie. Baptiste, c'est quelqu'un que j'ai rencontré en jouant aux cartes, donc ça fitait tout naturellement de pouvoir lancer ce projet avec lui. Et donc Baptiste, il nous aidera pour toute la logistique et la gestion de la société, mais aussi pendant les live votes. Enfin, deuxième axe de ce projet La Belle Carte, on vous le disait, proposer plus de contenu, plus qualitatif, diversifier notre activité sur Internet et les réseaux sociaux. Le lancement du podcast La Belle Carte. Vous le voyez, on a un super décor, on a un super studio, quelque chose dont on est très fier. On avait très envie d'avoir ce rendu face cam, assis face à face, où on pouvait discuter tous les deux, vous donner notre avis sur tous les sujets d'actualité de Magic, mais pas que, aussi sur les sujets d'actualité multi-TCG. En témoigne notamment le développement de la chaîne TV, qui est devenue une chaîne multi-TCG maintenant. Vous allez avoir un podcast bimensuel qui sortira dédié à Magic sur la chaîne Magic, et la deuxième partie sortira sur la chaîne TV dédiée au multi-TCG. J'ai très très hâte de commencer à faire ces podcasts. Ça fait un moment que ce format nous travaille, nous taraude. Complètement. On avait envie du coup de lancer et on s'est dit là, c'est le meilleur moment. En plus, comme le dit Val, voilà, on s'est fait plaisir avec un beau décor, on vous fait plaisir.
Alors certes, c'est un format audio le podcast, mais pour ceux qui voudraient le regarder, du coup, il y aura quand même un petit plaisir visuel avec un décor qui évoluera au fil du temps en plus. Donc ça, ça régale tout le monde. Pour tous ceux qui voudraient encore un petit peu plus de contenu d'ailleurs, vous pouvez nous suivre sur Instagram. On a créé un Instagram dédié qui s'appelle donc La Belle Carte évidemment, sur lequel vous pourrez retrouver des posts et des stories sur le background un peu de la vie de la société, la vie de Valet PL naturellement aussi. Notamment si on fait des petits déplacements, peut-être qu'on pourra mettre du petit contenu là-dessus. Des photos voilà, de l'évolution, des produits qu'on reçoit, des annonces quand on fait des live vote, etc. Vous aurez tout sur cet Instagram. L'idée, c'est de vous embarquer au plus près de notre aventure. Pour nous, c'est une nouvelle aventure professionnelle, l'aventure un petit peu de l'entrepreneuriat. Ouais. Et on est très excités par le fait de justement vous partager ça. Donc, on essaiera de mettre des stories très régulièrement sur le travail qu'on fait au sein de la société La Belle Carte. Vous pouvez nous soutenir dans ce projet. Alors évidemment, le soutien principal et celui pour lequel on vous remercie depuis maintenant plus de 5 ans, c'est de nous suivre, regarder nos vidéos, les partager, venir nous voir en convention, laisser les commentaires, laisser le pouce bleu. Tout ça, c'est un soutien qui témoigne de l'intérêt que vous nous portez et qui, entre guillemets, vient valoriser tout le contenu qu'on produit. Merci à vous, c'est le seul et unique soutien que l'on vous demande et qui est pour nous le plus important. Mais pour ceux qui voudraient nous soutenir de manière peut-être un petit peu plus poussée, on a le tapis fondateur, La Belle Carte. Ceci est un échantillon, c'est un prototype. Le vrai tapis s'affiche maintenant. Ce tapis nous régale et j'espère qu'il vous régalera tout autant. On a travaillé avec Poscabrico du coup pour le faire et on a mis toutes les rêves qu'on voulait. Il nous a mis aucune limite, il a dit oui à tout et c'était incroyable de travailler avec lui sur ce projet. Et c'était très dur d'ailleurs de le garder secret, ce projet. On avait très envie de vous montrer l'avancée et tout, mais ça y est, on peut enfin vous le montrer. Ce tapis, il est disponible en précommande dès maintenant, dès le 31 janvier sur labellecarte.fr. Vous retrouvez le lien en description, vous pouvez le précommander. On va faire des précommandes pendant tout le mois de février. Et ensuite, à la fin du mois de février, on clôture ça et on vous envoie du coup, dès qu'on reçoit le tapis, évidemment chez vous. Petite particularité, sont une série limitée. Une fois que les précommandes sont terminées, il n'y a plus de tapis. Et ils seront tous numérotés en fonction du nombre de précommandes réalisées. Donc plus il y a de précommandes, plus la numérotation sera élevée, évidemment. Donc s'il y a 200 commandes, c'est numéroté sur 200, 300 sur 300, vous l'avez compris. Ce tapis en version noire et blanche qu'on apprécie énormément, lui, sera mis en vente lors de notre premier live walk le vendredi 9 février à 18h. Il faut savoir que cette version prototype sera déclinée à 5 exemplaires numérotés exclusifs seulement en vente cette soirée-là. Il y en aura 4 qui seront mis aux enchères et le 5e sera offert sur le live. Deuxième moyen de nous soutenir, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui étaient un peu frustrés de ne pas avoir pu récupérer les fameux tokens qu'on a fait avec Posca, encore une fois, hein, le best, que vous pouvez retrouver dans notre décor. Voilà, on les aime tellement, on les a mis dans le décor, les petits tokens. Que du coup, on a cherché avec lui un moyen de vous les proposer. Et donc, toutes les conventions de 2024, tous les endroits où vous pouvez nous retrouver, on vous les distribue toujours gratuitement pour tous ceux qui viennent nous voir. Le petit jeu, c'est de chercher Val, de me chercher dans la salle. D'ailleurs, à chaque fois, vous venez nous voir, nous dire « Il est où l'autre ?» Comme ça, vous récupérez des tokens, ça va être très rigolo. Mais pour tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer, qui n'ont pas le temps, etc., on a réfléchi à un moyen pour vous d'y accéder. Et ce sera sur notre page Tipeee directement. On a un des paliers, en fait. Si vous nous soutenez, vous recevez les 2 tokens, du coup, directement chez vous. Alors, on précise que ces tokens seront toujours distribués de manière totalement gratuite à chacun de nos déplacements. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer, qui ne peuvent pas venir nous rencontrer et qui ont la frustration du coup de ne pas pouvoir avoir ces tokens. Voilà, vous avez un moyen du coup de nous soutenir sur Tipeee et de les récupérer maintenant. On est très fiers de ce projet, on est très fiers de vous le présenter. C'est quelque chose qu'on garde depuis tellement longtemps. On est content que ça sorte finalement. C'est un projet qui a commencé quand même à être développé dans l'idée il y a maintenant plus d'un an. Et puis ensuite, au moment de la réalisation, le temps d'ouvrir une société, de négocier, de faire des allers-retours, d'aller voir des banques, de présenter des projets. On a dû présenter des projets devant des assemblées, littéralement passer un examen presque. Un oral. Qu'on a évidemment réussi, vous vous doutez. Mais voilà, filmé. C'est pas vrai. Non, c'est pas... Ça aurait été marrant. Mais voilà, ça a été beaucoup de travail. Donc, on est très, très fiers de pouvoir enfin vous le partager. On a beaucoup travaillé, même ne serait-ce qu'à la réalisation de tout ce que vous avez dans ce studio-là. Et on espère que cette aventure dans laquelle on vous embarque, vous allez l'apprécier et vous la vivrez avec nous. Mais du coup, je vous vois venir des commentaires. Vous allez dire, mais comment ils vont faire pour faire la chaîne principale, 3 vidéos par semaine, leur canal, 3 vidéos par semaine, la chaîne TV, la chaîne Twitch,
les live vote, le podcast maintenant, mais comment ils vont faire pour tout ça? Qu'est-ce qu'ils vont nous enlever? Eh bien, rien du tout. C'est important pour les gens qui regardent cette vidéo de bien comprendre que la société Labelcart ne prendra pas le pas sur ValetPL. Tout ce qu'on vous amène maintenant, et on a quitté notre travail pour ça, c'est du plus. En plus, on a Baptiste qui va beaucoup nous aider dans la gestion de cette dernière. Donc, tout ce que vous aviez en 2023 et avant, les trois chaînes, même les déplacements, on continuera à les caster, les Pro Tours sur place, peut-être même à Chicago prochainement. Tout ça est préservé. C'était extrêmement important que Labelcart ne prenne pas le pas sur notre contenu et de pouvoir vous garantir la même expérience de création de contenu, voire même du plus, grâce au podcast. C'est important pour nous que vous sachiez que tout ça, voilà, on le fait pour justement que le contenu qu'on aime tant vous partager, vous faire, nos drôleries, nos deck tech, le meilleur deck à chaque fois, hein, chaque vidéo c'est le meilleur deck, faut pas oublier. Notre passion pour les jeux de cartes en général, nos passions au global, qu'on vous partage également sur Twitch, qu'on vous partagera aussi un petit peu dans le podcast. Tout ça, en fait, on aimerait le faire le plus longtemps possible. Et pour s'assurer qu'on va y arriver, on développe du coup nos contenus, notre activité, notamment grâce à cette société, pour toujours vous proposer de plus en plus de dingueries avec de plus en plus de moyens et surtout le faire le plus longtemps possible. D'ailleurs, voici notre emploi du temps, il s'affiche à l'écran. Vous voyez qu'il est quand même pas mal chargé, mais on s'engage vraiment à le tenir au maximum. Exception faite de certains déplacements, si on doit aller caster à Las Vegas, peut-être qu'il y aura 2-3... C'est normal. Il y aura 2-3 cases qui sauteront, mais dans l'idée, on va essayer de préserver au maximum tout ce contenu. Vous l'avez compris du coup, cette aventure elle commence le vendredi 9 février à 18h sur Vogt. Le lien pour télécharger l'application est en description. On vous attend nombreux, on espère que ces annonces vous ont régalé. On est très fiers, très contents de pouvoir vous partager ça. Et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.